Quand elle sera à 100%, il sera plus puissant qu'il n'a jamais été. Bot s'est fait surprendre par un spectre et il s'est fait bouffer tous ses codes. Yumi, tu m'entends? Yumi! Jérémy, tout va bien. On approche du cœur. Rien à signaler. Parfait. Continue comme ça, les filles. Les filles, Jérémy, ça te dérangerait de nous appeler par nos prénoms? Par exemple, moi, c'est Yumi, et à côté de moi, c'est Aelita. Enchantée. Moi, c'est Einstein. Et je vous promets de faire plus attention. Les filles. Oh, les garçons. À propos de garçons, c'en est où entre toi et Ulrich? Cool. 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 Ça veut dire quoi, cool? Bah, il est plus attentionné avec moi. Il discute moins avec William. Il est plus mûr. On est tous plus mûrs. Merci, Xena. Ça va, toi? Hein? Oui, je repense à ma mère. Oh. Et tu crois toujours qu'elle est prisonnière de Tyrone? C'est logique, non? Elle sait que je suis vivante, mais elle n'essaye pas de me contacter. C'est sûrement parce qu'elle peut pas le faire. D'une manière ou d'une autre, on va savoir ça d'ici 10 minutes. Oh-oh. Ouais. Ok, d'accord. Pas bavard aujourd'hui. Allez, Ulrich, réponds, réponds. Alors quoi, c'est les vacances? Yumi, Aelita. Oui, Jérémy. J'ai une tour activée sur le territoire des montagnes. Est-ce que t'as prévenu les autres? Seulement William. Je sais pas où sont Ulrich et Odd. En clair, et si je comprends bien, tu n'as personne d'autre que nous pour désactiver la tour, c'est bien ça? Bon, on fait demi-tour. Non, Aelita, vous devez continuer jusqu'au cœur pour localiser le labo Tyrone. Et puis Odd et Ulrich vont finir par arriver. C'est beaucoup trop dangereux. Xana est déjà pratiquement à 95% de sa puissance. Aelita, ta mère, c'est important aussi. Yumi a raison. C'était la dernière chance de la retrouver. Au-delà de 95%, on a dit qu'on arrêtait les recherches. Eh bien, raison de plus pour désactiver la tour. Je reviendrai sur le cortex une autre fois. On retourne au skid, Yumi. Tu en es sûre? Ah, William. Tu sais où sont Ulrich et Odd? Non. Ah, ok. Aelita et Yumi sont prévenus. Ils reviennent. Ok. Oui, non, ok, ça t'arrive de dire plus d'un mot à la fois? Ouais. Non, je rigole. Alors c'est quoi cette attaque au juste? Bah, il me semble que c'est un spectre. Mais je sais pas qui est le gagnant. Ok, je fonce sur Yoko. Je vais préparer le terrain pour les filles. Ouais, bonne idée. Transfert William. Jérémy, ça y est, j'y suis. La tour est au nord par rapport à ta position. Surrouillé. Ah bah quand même.
rouillé. Oh non. Jérémy, j'ai été attaqué par un spectre. Je crois qu'il m'a pris tous mes codes. Quoi? T'es sûr? Bah ouais, j'en suis sûr. J'ai pas d'effet secondaire, rien. Bon, apparemment c'est fini. Je lève l'alerte. Ok. Eh non, surtout pas! Le spectre, il a pas disparu comme la dernière fois. Il est parti, je sais pas où. Quoi? Bon, essaye de trouver Ulrich. S'il se fait piéger, c'est la cata. Ok, je te tiens au courant. Galère. Pas jusqu'ici. L'énergie, on en est où? On est à 5%. Le bouclier a tiré trop d'énergie. On est à sec. Jérémy? Votre courbe d'énergie est au plus bas. Vous passerez jamais le blocus. Combien de temps il te faut pour recharger le mégapode? Venez une demi-heure. Vous n'aurez pas le temps de recharger. Les mégatanks trouveront un moyen de passer pour finir le boulot. De toute façon, on ne peut pas attendre. J'ai besoin de vous ici. Hot s'est fait surprendre par un spectre et il s'est fait bouffer tous ses codes. Quoi? Encore? Évite ce genre de réflexion devant lui. Il est déjà assez vexé comme ça. Et Ulrich, il a pu rejoindre William sur Lyoko? Non, pas encore. Quoi? Mais il est où? J'en sais rien, justement. Mais Odd est sur le coup. Ramène-moi. Non, Yumi. Tant qu'on n'a pas retrouvé Ulrich, il n'y a que vous deux pour désactiver la tour. Vous devez absolument rentrer à bord du Skid. Oui, mais Ulrich est peut-être en danger. Aelita, dévirtualise-moi. Désolée, Yumi, mais je peux pas faire ça. Jérémy a raison. On n'est plus que deux pour arrêter Xana. Jérémy, il y a 5 blocs qui surveillent la tour. Je fais quoi maintenant? Tu attends, les filles sont encore sur le cortex. Quoi? Mais qu'est-ce qu'elles fabriquent? Oh ça va, hein. Elles font ce qu'elles peuvent, et puis sois pas impatient. C'est pas moi qui m'impatiente, c'est les blocs. Ils vont finir par me repérer. Et Ulrich et Odd, ils en sont où? Odd s'est déjà fait avoir. Il a perdu tous ses codes. Et j'arrive toujours pas à le joindre Ulrich. Dévirtualise-moi, si les filles sont pas là, je sers à rien ici. Ne t'y mets pas toi aussi, hein. Odd s'occupe d'Ulrich, les filles arrivent et toi tu attends, ok? Ok. C'est lui, Louise. T'aurais pas vu Ulrich? Oui, je l'ai vu rentrer dans le gymnase tout à l'heure. Ok, cool. Merci. Mais écoute, si on quitte le mégapode, on a très peu de chances de passer. Je sais. Mais si vous restez à bord, vous risquez de vous faire dévirtualiser toutes les deux. Ok, Jérémy. Tu peux m'envoyer l'overwing? C'est comme si c'était fait. Je suis prêt à débarquer. C'est pas le moment de traîner ici. On a eu de la chance. Yumi! Désolé, hein, c'était un vrai tir au pigeon. Ouais, j'ai vu. Aelita est passée, c'est toujours ça. C'est qui le spectre? Rouillé. Pourquoi? Parce que je vais chercher Ulrich.
Oh non, c'est trop risqué. Vaut mieux que tu restes là-bas. Je vais pas rester ici à me tourner les pouces. Ulrich est peut-être en danger. Bah alors, qu'est-ce que tu fous? Ça fait une heure qu'on t'attend. J'ai pas mon portable, je fais du yoga. Mais manne-toi, il y a William qui est sur Yoko et il y a un spec qui se promène. Mais c'est pas le plus grave. Yumi? Non, pas Yumi, moi. J'ai plus de code. Bah, c'est moche. Quoi? C'est tout ce que ça te fait? Ça va? Ouais, c'est bizarre. Je ressens pas d'effet secondaire. C'est moche, hein? Bienvenue au club des sans-codes. Vous vous rendez compte qu'Aileta est la seule à pouvoir désactiver la tour? On sait, mais c'est pas un spec qu'on a, c'est un pitbull. Et dis à Yumi de pas sortir du labo, hein. Bah justement, Yumi est partie à la recherche d'Ulrich. Bah on a qu'à aller la chercher. Non, rappliquez ici tous les deux, il faut désactiver la tour. Mais ça sert à rien, on a plus de code. Tu l'as dit toi-même, on peut pas désactiver la tour. Aileta, elle, elle le peut. Et quand elle arrivera, il faut que la route soit dégagée. Mais William est déjà sur Yoko, non? Je vais la chercher, moi. Toi, va filer un coup de main à William. Bon, ok, j'arrive. Ulrich s'occupe de Yumi. Jérémy, je suis arrivée. Super, c'est la bonne nouvelle de la journée. Prêt à embarquer. Tu veux jouer? Jérémy, finis les vacances. Je me suis fait repérer. Tiens bon, William. Aileta est en route à bord du skid et Hot va venir te rejoindre. Et Yumi? Elle s'est faite dévirtualiser. Et elle est partie au lycée à la recherche d'Ulrich. Mais elle sait pas encore qu'il a perdu tous ses codes. Quoi? Lui aussi? Mais c'est du grand n'importe quoi. Cette fois, dévirtualise-moi et vite. Pas question, la priorité c'est de désactiver la tour. Non, la vraie priorité c'est de protéger Yumi. Qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? William, faut vraiment que tu attendes Aileta. Tant qu'on n'aura pas désactivé la tour, le spec nous lâchera pas. Oui, justement. Pas question qu'Yumi se fasse elle aussi bouffer tous ses codes. Mais Ulrich s'en occupe. C'est pas à toi d'en décider. William! Quel tas de brûlé celui-là. Fais gaffe, les blocs sont coriaces aujourd'hui. Transfert Odd. Virtualisation. Aileta, il faut que tu fonces. Plus vite. J'espère que tu plaisantes. Je suis déjà à fond, Jérémy. Tant pis si tu casses le moteur, Aileta. On n'a plus le choix. Tu es notre dernier espoir. Ouais, pas si sûr. Aileta, qu'est-ce qui se passe? Des congres, ils m'ont pris en chasse. Tu penses pouvoir les semer? Je peux toujours essayer. Bah, Ulrich. Ouais, je suis dans la cour, je te rejoins. Ok, je vais à ta rencontre. Et fais gaffe, le spectre s'est rouillé. Ouais, je sais, j'ai réuni. Je suis repéré. Allô? Yumi? Yumi, tu m'entends? Yumi! Elle est où, Yumi? Dans la cour du lycée. Le spectre l'a repéré. Et ça, c'est pour ce durie. Yes.
un petit contre-temps, mais elle arrive. Sois patient. Ouais, ben, dis-lui se manier. Ça chauffe grave ici. Tu crois qu'elle s'amuse? Elle risque sa peau, je te signale. Alita, tu t'en sors? C'est comme si c'était fait. Alors? Je comprends pas, elle m'a dit qu'elle était là. T'en es sûr? On a trouvé avec son téléphone. On sait pas où elle est. C'est pas possible, c'est l'hécatombe. Bon, essayez de la trouver. Avec de la chance, elle est juste cachée quelque part. Il y a peut-être encore de l'espoir. Ok. Bon, on se sépare. Ça doit pas être loin. Alita! Yumi est poursuivie par le spectre. Faut vraiment que tu fonces. Avec les congres. On en est au même point. J'ai peut-être une idée, mais elle est risquée. Dis toujours? J'ai boosté le sonar du skid. Ça devrait brouiller le système de détection des congres. Mais il faut que tu attaques de front et que tu désactives les boucliers. Compris. Appuie sur champignon, j'ai besoin de toi ici. C'est pas possible, il est encore là. Allez, dégage. Oh, oh non, il manquait plus que ça. Fais gaffe, si tu recules encore, t'es bon pour le plongeon. Merci de renseignement. À mon avis, eux aussi, ils le savent. Ah. Essaye de tenir, bon. Alita va pas tarder. Mon fond, Alita, qu'est-ce que tu fais? Tu devrais déjà être là. Alita, tu m'entends? Et t'es où? Alita viendra pas, c'est ça? Non, non, elle arrive, je te dis. Plus tard. Ah. Te fatigue pas, Jérémy, j'ai entendu. Désactiver la tour, vite! Transfert. Merci, Alita. T'es arrivé juste à temps. Hé! Hey, ça t'intéresse pas ce que je dis? Ulrich! Ulrich! Stop! Ça va, Yumi? J'ai plus de force. Tant mieux. Ça veut dire qu'il t'a pas tout pris.
Désolé, Yumi. Il te reste quasiment rien. Bah, quasiment rien, c'est déjà mieux que rien. Hein. Avec le rec, on a tout perdu. Alita et Yumi sont maintenant les seuls à avoir des codes. Xana a gagné en puissance. Vas-y, fais-nous flipper. T'as combien en Xana? 95%. On peut peut-être repousser la limite à 96. Pas question. On avait dit à 95, on attaque. C'était le deal, non? Mais tu sais ce que ça veut dire? Bien sûr que je le sais. Je pourrais plus contacter ma mère. Mais la lutte contre Xana est plus importante. Je pourrais jamais assez vous remercier de tout ce que vous avez fait pour moi. De tous les risques que vous avez pris. J'ai envie de retrouver ma mère, mais si Xana gagne, ça servirait à rien. Tant qu'il y aura ce risque, je pourrais pas vivre. Surtout si je sais que vous êtes en danger. Alita, je t'ai déjà dit que t'étais une fille super. Plein de fois. Moi, j'ai de la chance de vous avoir comme amie. Vous êtes plus que ça. Vous êtes ma famille.